je suis Camille Makoso, mais je préfère être juste. Dans la vie, quand tu perds, reconnais que tu as perdu. C'est ce qu'on appelle être fair play. Congo, moi, j'ai supporté la Guinée parce que c'est un pays voisin. Les Congolais de Brazzaville doivent venir à Abidjan. Les Congolais eux-mêmes doivent venir à Abidjan. Qui encore? Quels sont les pays même voisins? Est-ce que les Rwandais peuvent venir soutenir les Congolais? Bon, les Rwandais aussi, on ne peut jamais compter sur eux. Tu as dit, venez soutenir les Congolais qui sont vos frères voisins, qui sont qualifiés. Ils vont dire, non, nous, on ne vient pas. Mais quand il s'agit de prendre l'or et les richesses du Congo, ils savent le prendre. Trop d'hypocrites autour du Congo. Tanzanie aussi, ils ne viendront pas. Congo est seul, hein? RDC, moi, je vous dis aujourd'hui, vous êtes seul au monde. Vous êtes seul au monde. Vous êtes seul au monde. Parce que quand je regarde toute la souffrance du Congo, tout ce qui se passe à l'est du Congo, et voir que les pays voisins du Congo ne sont pas capables de dire « Mettons-nous avec le Congo pour sauver la patrie congolaise. » Vous êtes seul. Vous êtes entouré que des hypocrites. Que Dieu vous soutienne. Ça, je le dis ici, clairement, nettement. Faites les capitaux diffusés, ça, je m'en fous. Le Congo n'est qu'entouré de pays hypocrites qui ne veulent pas voir les méchances du Congo, qui veulent voir le Congo dans la merde, et puis eux sont devant, ils sont contents. Sinon, c'est que le Congo est en train de vivre. Si le Congo a la puissance et a la main sur tout son territoire et ses richesses, c'est le continent africain qui peut gagner. Le Congo peut être un pourvoyeur d'emploi pour des millions d'Africains. Mais hélas, et mille fois hélas, quand vous êtes un pays jalousé, quand vous êtes un pays de tiède, des gens qui sont autour de vous sont des traîtres. Aucun pays voisin ne peut dire, bon, le Congo, votre situation, on en a marre. Nous avons 2 hélicoptères de guerre. Nous mettons à votre disposition 2000 à 3000 soldats pour vous aider à libérer votre pays. Tanzanie donne. Ouganda donne. Congo, Brazzaville donne. Le Gabon donne. Le Cameroun donne. Mais le Congo est libéré dans une fraction de seconde. C'est une coalition pour libérer le Congo des rebelles, des voyous. Mais non, chacun dans son coin. Ce qui se passe au Congo, 2 millions de morts, 3 millions de morts, on s'en fout. Et nous disons que nous sommes des Africains. Et nous disons que nous appartenons à une communauté de l'Afrique centrale. C'est de la sorcellerie pure et simple. Mais Congolais, vous êtes la République de Dieu, du Christ. Congo, vous êtes la République du Christ. Votre salut ne va pas se mettre sur comptant sur l'être humain. Vous avez fait confiance à Zambé. Continuez de lui faire confiance. Mais en même temps, vous devez prendre le soin de vous mobiliser comme jamais, mettant de côté les problèmes ethniques et les problèmes politiques, pour avoir une seule devise. Retrouver toute notre splendeur et la richesse de notre pays.